Get l'engin. Get dedans. Tu sais ce que je vais faire là? Je vais mettre un petit colis dessus. Et puis avant la petite sortie à Babas, bah t'as vu, il sera bien. Je vais mettre du kérosène. Ah bah ça c'était pas prévu. Regarde, ça c'était pas prévu. J'arrivais à faire carrément du drifton. Get. Je fais pas du 3-6 mon cousin. Bon, tu vas te lever. Get donc mon nouveau hélicoptère. Oh lolo. Get donc. C'est beau, hein? Je te jure. Hey, j'ai jamais conduit un drone. Hein. Je vais te le faire décoller, là. Carrément, regarde-moi ça. Je suis pas prêt si cela chauffe tout seul, le drone. Oh non, 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 je suis pas prêt. Bon bah là, je vais pas te mentir, j'ai peur. Ça y est, le bordel est prêt. Comme quoi, il n'y a pas de capteur en vrai à côté. Et les voisins, je viens de l'avoir, le drone, ils m'ont pété un câble. Le machin, je vais m'en servir toute la nuit. Je vais aller juste à Paname ou manger avec. Putain, hey. Ouais, mais là, c'est normal. Hein. Je jauge pas avec l'autre truc. Je gère que l'accélérateur. Non, on va éviter de débroussailler les tomates quand même, hein. Ça y est, c'est fini les tomates. Ça marche, incassable l'engin. Incassable, c'est beau ça. Ça c'est bon pour ma ganache. Incassable. Bon, les amis, petite présentation hein, de mon petit joujou. Attention, hein. Je vais pas te mentir, le truc il a des années. Je crois qu'il a plus de 5 ans. À l'époque, il valait plus de 180 balles. Bah, je l'ai eu à 20 euros. T'as vu? On va être sans filtre pour les prix. Et en plus, à Chrome, je ne l'ai pas encore payé. T'inquiète pas, Nico. Je ne t'oublie pas. Bientôt. Véridique, hein, le genre, il arrive. T'inquiète pas. Demain, c'est réglé. Alors, pour en venir, les amis, qu'est-ce dans ça? Bon, j'ai fait 2-3 petits rushs avant parce que je gère pas encore le bordel. Regarde-moi ça. Attends, je vais te le prendre comme une araignée. Get donc le truc, mon gars. À fond de balle que je vais te mettre. Attends, ben, il est à fond de balle, il veut quoi? Narvalo. Hop là. Ah oui, c'est vrai. Détecteur, s'il vous plaît. Hello. T'as vu le bordel? Hello, là, c'est un aspirateur, le truc, je te jure. Et là, je le lâche, il vole tout seul, le bordel. Calme-toi, calme-toi donc. On se calme, on se calme, on se calme. Hé, hey, je t'ai eu à crédit, ne l'oublie pas. Oh, c'est beau, c'est beau. Avec les petites LED, hein, sapin de Noël avant l'heure. Bon, bah maintenant que j'ai pas géré, vu que il faut un petit peu beaucoup d'espace, on va parler des caractéristiques. Donc, comme tu peux voir, il y a la petite caméra. Pivotable, s'il te plaît. Donc, où que tu livres, tu sais que tu as bien livré ou qu'on t'a carotte le drone. T'as le petit dard du Seigneur avec la batterie. Ça, ça marche fort. Les petites LED, tu connais. Jackie Tuning. Hein. Comme toujours. Le petit aileron, carrément, il te mange l'appui. Bon, allez, plus sérieusement. Donc, avec la petite caméra qu'on a là, avec une carte SD, hop, tu prends l'écran. Comme je vous le disais, hein, il est neuf le truc. Il y a encore le plastique. Hein. Il est neuf, le drone. Donc, tu l'allumes là. Tu mets ta carte SD. Attends. Ah ouais, hein, c'est de l'impro. Je t'arrachons l'écran net. Hop là, tiens, incassable le truc. Non, Seigneur. Donc, ouais. Tu mets ta petite carte là-dedans. Tu filmes tout ce que tu veux et après tu t'amuses. Ça,
On en reparlera plus tard, c'est un autre délire. Pareil, ce n'est pas fonctionnel pour le moment. Les cartes, putain. Les accessoires, comme je vous disais tout à l'heure, parce que c'est bien beau, mais je te dis, va y avoir de la casse. Je le sens. J'ai envie de te faire des trucs parce que, ouais, hein, j'ai regardé, en fait, on me l'a vendu à ce prix-là parce qu'il n'y a pas de notice dessus. Et regarde, nous, on a regardé, franchement, sur la notice sur Internet, t'as carrément le truc, regarde, c'est marqué, hein. Flip, le bordel, on a regardé des tutos, des vidéos et tout, il fait des black flips, le bordel. Donc, d'où que je ne voulais pas le lâcher tout à l'heure, parce que, bah, tu connais, déjà, je suis en train de refaire l'appart, t'as vu, les 101 dalmatiens. Oh, maman, elle avait des trous de Kalachnikov, Enda. Donc, tu vois pas le délire, sérieusement, je te le lâche. Parce que le truc, hein, franchement, il se la chaffe tout seul, le drone, hein, si tu gères pas. Eh ben, au revoir le drone, même si c'est 20 balles, ça fait chier. Donc, on se retrouve bientôt dehors. Je vais te l'emmener, même si c'est interdit dehors. Et puis, ben, on va voir ça. Et un petit dernier détail, parce que quand tu vois ça, tu te dis, oh là là, c'est carrément la manette de Retour vers le futur. Surtout quand tu mets l'écran dessus, toi, ça te met bien. Mais je voulais vous faire voir ça. Ça, c'est l'ancien propriétaire du drone. Le drone, il a même pas 6 minutes. Quand je l'ai pris, 6 minutes de vol, même pas. Parce qu'il n'a pas géré, il l'a décollé, il a éclaté un moteur, voilà. C'est ça un moteur de drone, exactement. Bon, il me l'a attaché sur la manette, voilà quoi. Mais c'est tout petit, donc voilà quoi. Donc cette petite merde là, bah si tu grilles ça, t'es dans la merde. Sachant qu'on n'a plus de magasin sur Alençon City, hein. Faut faire 100... 30 bornes ou ouais, aller-retour, c'est ça, pour avoir ce petit engin. Donc ça fait un petit peu chier. Donc j'ai remis les armatures, hein, parce que les hélices, j'ai peur de les casser et tout le bordel. Et tout à l'heure, vous avez entendu, hein, il y a des armatures qui frottent sur les hélices, il faut que je le mette bien. Donc voilà, voilà. Et bah, on va se reprendre, hein, une fois dehors pour faire chier le monde avec ça. Je te jure, vous n'êtes pas prêts les gens, parce que là, ça va être beau. Ça va être du beau, du beau, du beau.